Comment soigner naturellement douleurs articulaires, tendinites et lumbago grâce à l'argile? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo dans laquelle je vous partage des conseils et des astuces ainsi que des recettes de cataplasme. Je vous dis également comment préparer des bains de mains et de pieds pour lutter efficacement et naturellement contre les différentes douleurs. Les causes de douleurs articulaires, musculaires ou névralgiques sont nombreuses. L'arthrose est la plus fréquente et peut se manifester assez tôt. Cette usure des cartilages se traduit aussi par l'apparition de petites excroissances osseuses sur les articulations. Douleurs, gonflement et déformation des articulations sont les symptômes les plus courants de cette pathologie. Mais la détérioration articulaire peut avoir d'autres causes. Activité sportive, pratique professionnelle ou encore accident. Les névralgies, comme la sciatique, sont dues à l'inflammation d'un nerf. Quand les tendons attachant les muscles aux os sont irrités, on parle de tendinite. Les névralgies sont souvent provoquées par des déformations du squelette et les tendinites par des gestes mal adaptés, répétitifs ou un manque d'échauffement avant le sport. Comment l'argile peut-elle nous aider en cas de douleur articulaire, névralgie, tendinite et lumbago, et quelle argile choisir? L'argile calme l'inflammation et résorbe les gonflements. Riche en silice, on pense qu'elle pourrait aussi contribuer à régénérer les cartilages, surtout la montmorillonite, à fort pouvoir adsorbant. Préparer un cataplasme. Ingrédients nécessaires. Montmorillonite, eau, huile essentielle de Gaultéry, menthe poivrée et genévrier, sel de mer non raffiné. Pour l'arthrose et les tendinites. Cataplasme épais et froid de montmorillonite à garder 2 heures ou plus sur la zone douloureuse. Pour les névralgies, cataplasme froid ou tiède, renouvelez les applications. Dans tous les cas, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de Gaultéry, menthe poivrée et genévrier, ou romarin, et du sel de mer non raffiné. Une cuillerée à café dans l'eau pour la préparation potentialise les effets de l'argile. Préparez un bain de main ou de pied. Ingrédients nécessaires. Eau tiède, montmorillonite, huile essentielle de Gaultéry ou de genévrier. En cas de douleur aux mains ou aux pieds, faites tremper le membre dans une bassine d'eau tiède avec 3 cuillerées à soupe de montmorillonite et 3 gouttes d'huile essentielle de Gaultéry et de genévrier. Préparez un bain complet. Ingrédients nécessaires. Gros sel de mer non raffiné, montmorillonite, huile essentielle de Gaultéry, de lavandin et de romarin. Pour un bain complet, pas trop chaud, comptez une poignée de gros sel de mer non raffiné et 4 cuillerées à soupe d'argile mélangées à 10 gouttes d'huile essentielle de Gaultéry, 5 de lavandin et 10 de romarin. Enfermez le tout dans un sachet en mousseline ou un gant de toilette pour éviter que la terre ne bouche le siphon de la baignoire. Restez dans l'eau 15 à 20 minutes, séchez-vous bien et allongez-vous pour prolonger les effets du bain. Le lumbago. Ce type de douleur lombaire qui survient sans prévenir est dû à un micro-traumatisme sur un disque intervertébral. Comment soulager un lumbago? Appliquez un épais cataplasme d'argile verte tiède ou froid 2 fois par jour pendant 1 heure. Ajoutez au besoin une ou deux gouttes d'huile essentielle de Gaultéry, laurier noble et menthe poivrée. J'espère que ces astuces de santé et bien-être au naturel pourront vous aider.